Et bonjour à tous, c'est Brice, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Unity pour l'épisode 11. Alors on va continuer. Alors, la mission, séquence 6, mémoire 2, embuscade des Templiers. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à liker ma page Facebook, mon Twitter, ma page Facebook. Je l'ai déjà dit. Elise. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Où était-ce? L'hôtel voisin. Diable. Où est l'hôtel voisin? Il est là-bas. Seigneur, mais que se passe-t-il? Merde, c'est là. Protéger, tuer. Plus tard. Oh oh oh. Que se passe-t-il? Où est monsieur Lafrenière? Il est mort. Quoi? Va, je t'expliquerai. Lui, on va devoir le combattre. On y va? Allons-y. Mais alors? Ah merci. Ah ok, c'est comme ça. Hop. Hop là. Je suis plus certaine de savoir où est la sortie. Je vais grimper, jeter un coup d'œil. Alors. Eh ben, grappons. Et si je vois tout, de toute façon, je pense. Je sais même pas où elle est, ta sortie. Comment va-t-on sortir d'ici? Ah non, c'est moi en plus qui l'accompagne. Oh non. Oh la loose. Bah attends. Paraît bizarre, attends. On va remonter pour voir un petit peu. Nice. C'est là. Donc la sortie. On passe par. Oh là là, c'est compliqué. Donc là. Où faut-il aller? Tac tac tac. Là. Ok, c'est bon. Bon, on va. Reconnais-le, tu es perdu. Ne les laissez pas s'enfuir. Ouais, je suis complètement perdu, ça c'est sûr.
Non, on va me faire chier. Et voilà, merci, on va. Tu as une idée de Jenny? Ah! Oh! Nickel! Où faut-il aller? Par contre, là, je t'en disais un peu de tout. On va fouiller pour recevoir des potions là pour soigner parce que. Bon, je me gêne. Aucune potion. Oh. Où faut-il aller? Ouais, j'espère que c'est là. L'homme allemand. Merci bien. Donc là, ouais. Ah, je suis en train de chercher. On y voit rien à l'instant. Pourtant, comment on sort d'ici? Ils doivent bien être quelque part. Là-bas. Non, attendez. Je crois que c'est Claude. Hop là. Tu as une idée de Jenny? Il va venir. Hop. Hop. Oh, alors toi tu la frappes pas. On va. Hop. Hop là, merci, au revoir. Bon, est-ce que toi t'as une potion? Non. Comment? Ah, c'est deux remèdes. Oh, cool. Oh, bah nickel, j'ai même plus besoin de chercher. Sortie. C'est un cul-de-sac. Je me suis fait niquer. Ouais. Alors, ici. Oh, bah voilà. Alors, où? Il y en a deux devant nous. Prends celui-là, je me charge de l'autre. Et maintenant? Ils sont trop nombreux pour qu'on les contourne. Il va falloir qu'on agisse ensemble, qu'on les élimine discrètement. Qu'est-ce que vous faites? Je crois qu'il n'y en a plus. La voie est libre, mais un autre groupe approche. Oh. Voilà. Crème. Attends. Des tireurs. Je les vois. Tu auras peut-être un meilleur angle de vue sur le toit. Oh oh.
Hop là. Je crois que c'était les derniers. Ne traînons pas par ici. Et voilà. Il y a tout ce qu'il y a. Mission, c'est facile. Ça va. Ils n'ont pas pu aller bien loin. Je sais pas si c'est vrai, mais bon. Va-t'en, je vais les distraire. Fais-moi confiance. Retrouve-moi demain au Café Théâtre. Je t'expliquerai tout. Tu es fou. Compte sur moi. Il se peut que je sois en retard. Tu vas mourir. C'est maintenant qu'on va se réussir. Faire niquer. Oh, quel est le plus court chemin? Oh la 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 la. Oh la chance. La chance, réunion secrète. Termine la séquence 6. Ok. Et voilà. Donc maintenant, mission. Faut au Café Théâtre, je pense. Voilà. Prudence Alliance. Ok. Voilà. Problème, j'espère que. Ouais. J'espère qu'on l'aura fini avant. Alors. Que la mission, elle va pas trop durer, parce que. Je pense, ouais. Voilà. Alors, c'était une bonne mission, je trouvais. Avec le labyrinthe et tout, pas mal. Bien pensé. Alors. De chargement trop long, putain. Bon, ah, c'est bon. Ah, tiens, on va aller un petit coup au coffre. Ouais. Bonjour, monsieur. Ah, c'est là. Voilà. Donc on va faire la mission. Café Théâtre. Alors, Prudence Alliance, séquence 7, mémoire 1. C'est parti. Saint-Louis, 1er avril 1791. Alors ? Alors ? Tu n'as pas chômé, on dirait. J'ai traqué l'homme qui a tué ton père, oui. C'est impossible. Il a tué la plupart de mes alliés et intimidé tous les autres. Je n'en sais pas davantage aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Je l'ai vu. Quoi ? Quand ? Où puis-je le trouver ? Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Il veut te tuer, Elise. Quoi ? Tu cherches à me protéger ? Je cherche à t'aider. La confrérie a des moyens, des hommes. Tu n'es pas sérieux. Je ne fais pas confiance aux assassins. Bah, fais confiance en moi. Ça. Et moi, tu me fais confiance ? Voilà. Je n'ai pas tellement changé, Elise. Je suis toujours le gamin qui distrayait la cuisinière pendant que tu volais la confiture.
Le même gamin qui t'aidait à franchir le mur de cette vieille pommeraie infestée de chiens. Très bien. Conduis-moi à ta confrérie. J'écouterai leur offre. Offre n'est peut-être pas le bon mot. Serait-ce ? Maudit Templier. Que fait-il ? Vraiment. Oui, ils sont un peu sourcilleux quand il s'agit de leur sécurité. Deux virages à droite, 73 pas, puis on descend une volée de marche, on tourne à gauche et enfin à droite. J'ai bien tout retenu ? Cette fois, t'es allé trop loin, merdeux. Les Templiers ont décidé de la tuer. Donc tu la ramènes ici. Tu ne m'avais pas dit que ta grande confrérie avait des moyens. Silence. Eh bien, qu'avons-nous ici ? Tout va bien, citoyen ? Je m'appelle... Au nom du ciel, retirez ce bandeau, c'est grotesque. Je m'appelle Élise de la Serre. Mon père était François de la Serre, grand maître de l'ordre des Templiers. Je suis venu vous demander votre aide. Poursuivez. Mirabeau. Faut-il encore relancer ce débat ? Il le faut, et nous le ferons, Maître Kemar. Si vous ne voyez pas d'intérêt à ce que la fille de François de la Serre ait une dette envers nous, je désespère de l'avenir. Poursuivez, Mademoiselle de la Serre. Et c'est reparti. Je ne me serais pas adressée à vous en temps normal, monsieur. Mais mon père est mort, ainsi que mes alliés au sein de l'Ordre. Si je dois en appeler aux assassins pour me venger, qu'il en soit ainsi. Pourquoi on l'écoute ? C'est un stratagème pour nous faire baisser notre garde. Mieux vaut la tuer et leur renvoyer sa tête en guise d'avertissement. Belek, il suffit ! Il est préférable de mener cette discussion en privé. Veuillez nous excuser, Mademoiselle de la Serre. Je vous en prie. Arnaud, tiens-lui compagnie. Je suis sûr que vous avez des choses à vous dire. Comment va mon ami ? Très mouvementé, tout ça. Bon, temps de chargement infini du monde là. Tu termines ou ça se passe comment ? Ça s'est passé à peu près comme je le croyais. Alors, sois patient. Mirabeau va les réveiller. Mon micro. Tu penses vraiment qu'on le trouvera, après tout ce temps ? La chance finira par tourner. François Germain pensait que la première était... François Germain ? Oui. Où est-il ? Il tient boutique rue Saint-Antoine. Pourquoi ? Élise ! Ne pas voler ça ! Je vais mettre ta tête au public. Pas si vite ! Passez vite. Oh là là. Attends-moi. Où est-ce que tu vas ? Bon, tu vas courir pendant longtemps comme ça ou quoi ? Putain, j'ai même pas tracé. Élise ! Comme s'il était loin, mais non, en fait, je suis juste à côté. Vous voyez que je vais laisser des moins que rien comme vous me malmener ? T'arrives. Arnaud, François Germain était le lieutenant de mon père.
Quoi ? Il a été radié de l'ordre quand j'étais enfant. En raison de ses idées hérétiques ou à cause de Jacques de Molay, je n'en suis plus sûre. Mais il devrait être mort. Il est mort il y a des années. Quelqu'un lui a annoncé la nouvelle ? J'aimerais beaucoup pouvoir lui poser quelques questions. Moi aussi. Personne. En haut, c'est là qu'il avait son atelier. Allons-y. Ce n'est peut-être pas le même Germain. Grand, les cheveux gris, les yeux de couleurs différentes. Oui, bon, c'est probablement le même. Donc. On dirait qu'il n'y a personne. Ouais, comme ça. Élise. Ne me dis rien. C'est un piège. Je suis touché. C'est un piège. Hey, mais regardez qui voilà. Tuez-le. Hop là. Bien, c'était vivifiant. Ça me rappelle cette fois à Marseille. C'était un peu moins sanglant qu'aujourd'hui. Il n'y a rien ici. Il devait savoir que sa mascarade ne durerait pas. Alors on l'a de nouveau perdu. Peut-être pas. Continuons à chercher. Fermé. Peut-être qu'on peut... le démolir ? Faire voilà. Ça. Je comprends pourquoi ça ne faisait pas partie de la visite officielle. Arnaud, regarde. C'est lui. Ce démon a tué mon père. On doit avertir Mirabeau. Impossible. Je m'en occupe. Retrouve-moi chez Mirabeau. Ok. Reste au sol. Là, là. Les fenêtres, de l'autre côté de la rue. Attention. T'inquiète pas. Je n'abandonne pas, je sais que je vais t'avoir. Voilà, hop, au revoir. Oh oh, y'en a un dans... Ouah ! La vie qui m'a niqué sa mère. Merde. Ok. Y'en a un là. Ok. Hop là. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Oh, oh, là-bas, vite. Oh ! Voilà. Que Taras. Vite. Thank you.
Mousqueton. Et voilà. Terminé. Ici Bishop. Tu me reçois? Tu as fait de l'excellent travail. Tu l'as trouvé. François Thomas Germain, grand maître des Templiers et le sage que nous cherchons. À en croire nos infos, c'est le deuxième sage à s'élever au plus haut échelon de l'ordre des Templiers. Ce qui est plutôt inquiétant. Reste avec Arnaud jusqu'à ce qu'on en sache davantage sur Germain. S'il a survécu à ce grand maître, il nous conduira à son cadavre. Bishop Thomas. On va les battre un peu là. Parce qu'il vous faut de la vie. Oh, une queue de race. Voilà. Voilà. Ouais, hop, il y en a deux là. Oh, beaucoup, oui. Oh! Hey! Non, mais oh! Bah, vas-y! Duque-moi! Ok, bon, je m'en fous, c'est pas grave. Bon. Je m'en fous, c'est pas grave, j'ai terminé la mission. Faut juste que maintenant, faut que je retrouve de la vie. Ça, après, je ferai encore qu'un miroir, au pire, c'est pas grave. Alors. Bon, alors, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Allez, à la prochaine. Salut.